Tiens, à Fabien. Salut Fabien. C'est mon petit live de la quinzaine sur la lecture et le déblocage de l'inconscient. Ok, on va juste attendre une minute, puis on va y aller direct. On va pas attendre. On va attendre tout le monde. Moi juste si le micro fonctionne pour cette semaine, si j'ai pas le problème de son comme la semaine dernière, et si c'est bon, on va y aller direct. Si vous pouvez juste me dire ça dans le chat, c'est cool. A priori, il n'y a pas de retour, c'est que ça doit aller. Ok. Et ben bonjour aux connectés. Du coup, moi c'est Adrien Lenoir et on est là sur ce live pour une soirée lecture et déblocage de l'inconscient. Donc je vais expliquer en 1 ou 2 minutes là comment ça va se passer, le cadre, et puis après on commencera directement dans le vif du sujet. On plongera dans l'inconscient des gens et de leurs questions. Du coup, moi je suis un accompagnant de vie et également énergéticien. Je fais de la lecture du coup et du déblocage de l'inconscient. C'est-à-dire que derrière une problématique de vie, un blocage ou des choses comme ça, je vais aller regarder ce qu'il y a dans votre inconscient qui cause en fait ce schéma, ce blocage, etc. C'est des informations supplémentaires, c'est de la clarté que je vous amène. Si je peux, je vais commencer à faire bouger les choses en vous, mais faut savoir que c'est pas en 5 ou 10 minutes que ça va révolutionner votre vie. Voilà, donc je vous mets en clarté et si je peux, je vous donne des actions ou autres pour ce faire. Voilà. Que dire d'autre? Oui, avant de commencer, petit point justement sur mon pro. Aujourd'hui, en fait, je communique beaucoup sur mon profil perso et moins sur mon profil pro. Donc là, je suis en train de modifier ça. Donc sachez que pour les prochains lives, ils se passeront sur ma page pro. Donc je vous invite à aller sur ma page pro et à liker pour être au courant des prochains lives. Et vous trouverez aussi normalement dans la semaine un petit kit que je suis en train de finaliser sur des principes de base, de compréhension, de développement personnel, de soi, enfin voilà, qui vous permettra, selon vos problématiques, selon ce que vous rencontrez dans votre vie, en fait, peut-être d'avoir un peu plus de clarté et déjà de commencer à entreprendre des actions et avancer. Voilà. Donc ça, normalement, cette semaine, ça devrait sortir. Au plus tard, semaine prochaine, vraiment, ce sera au plus tard. Il y aura certainement aussi des lives en duo. Alors, est-ce que ce sera sur ma chaîne enfin bref, j'en sais rien, mais il y a des petits duos qui se préparent, donc je vous en dis pas plus. Moi-même, il n'y a pas de certitude, donc je vous redirai ça en temps voulu. Ok, et ben on va y aller directement. Du coup, salut Clovis. Donc sachez que principalement en fait je récupère les questions qui m'ont été posées par mail. Ah, le son déconne un peu. Merci Clovis, du coup, t'es le seul à me le dire. Donc je vais faire comme la semaine dernière, je vais débrancher mon micro et puis on va le faire en classique. Ok, là normalement ça devrait aller. Du coup, ça m'a coupé. Ouais, du coup, je reçois en fait les questions que vous pouvez me poser d'ailleurs pour les prochains lives ou autres directement par mail à lesinspirantaupluriel@hotmail.com. Je prends d'abord les questions par mail. Ça, enfin voilà, là j'en ai deux cette semaine.
Et ensuite, eh ben, si vous avez des questions directement en live sur des problématiques, que ce soit physique, maladie, blocage dans la vie, n'importe quoi, enfin voilà, n'hésitez pas à les poser et je prendrai dans l'ordre du chat. Voilà. Que dire d'autre? Ben, c'est bon, le cadre est pas mal. Donc sachez que si je regarde ailleurs, déjà il y a les questions qui sont là-bas sur l'écran derrière. Et du coup, parfois, je vais fermer les yeux, je vais respirer, il peut y avoir des blancs ou pas, enfin voilà. Et je peux passer 2 minutes sur vous comme 15 minutes, en fait, le temps importe assez peu. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas le temps qui fait l'efficacité. Voilà. Et ben, du coup, c'est parti. Donc, on a une question de Greg qui me dit. Salut, je suis dans un process d'attirance et de répulsion de l'expérimentation de ma puissance énergétique. J'ai identifié une peur profonde, mais je sens qu'il y a autre chose que je ne vois pas. Merci de me faire voir cet angle mort. De te faire voir, ok. Monsieur miroir, monsieur. Alors, Greg. Ben, j'ai envie de te dire que c'est relativement simple, c'est que tu as peur d'être fou, tu as peur de devenir fou. Il y a deux choses. Ok, ouais. Il y a deux choses. Tu as la peur de devenir fou, donc ça, c'est-à-dire de plonger, de faire une connerie et en fait de te perdre là-dedans et de ne pas pouvoir y revenir ou de quitter un peu le monde humain, on va dire ça comme ça. Ça, c'est la première chose. Je reviendrai dessus, hein, je dis les deux d'un coup. La deuxième, là, qui me vient, c'est que donc c'est familial et que ça a été jugé. C'est une mémoire familiale. En fait, ça a été jugé par l'entourage. Ça a été moqué. Ça a été. Ouais, c'est ça. Ça a été un peu rabroué, etc. Quelque part, il n'en avait rien à carrer, mais c'est resté quand même comme une blessure et comme quelque chose qu'il faut cacher. Donc, du coup, toi, en récupérant ça, bah, tu es en répulsion parce que justement, on a peur de. Bah pareil, peur d'être jugé, peur du regard des autres, d'être moqué, et du coup, vu que dans ta famille, ça s'est déjà passé, et ben toi tu bloques directement. Là, je te le fais bouger déjà, ça. Sache que ce qui était à l'époque, c'est à l'époque, et c'est ta famille, toi, c'est toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit, j'ai envie de te dire, et de gens qui ressentent, qui sont sur ce truc-là, enfin, il y a beaucoup moins de jugement. Donc de ce côté-là, tu peux y aller, tu peux te libérer en regardant ce que je fais là. Bon, voilà. Je suis en direct sur Facebook. Pour ceux qui me connaissent, je faisais même pas ça il y a 6 mois, 1 an. Enfin, en tout cas, la lecture de l'inconscient. Voilà. C'est du lâcher prise. C'est de la présence à toi. Et puis va dans ce que tu as envie d'expérimenter, quoi. C'est tout. C'est que de l'expérience. C'est le principe un peu de la vie, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Et pour ton truc de puissance, ton truc de puissance. Ouais, c'est ça, t'as peur de. De perdre ta personnalité, de ce qui fait de toi un humain en fait. C'est ça, quand
quand je disais tout à l'heure que tu avais peur de ta puissance et de perdre, de devenir fou, c'est ça? Comme si tu pouvais perdre pied dans l'humain. Enfin, en ton humanité. Du coup, bah, je t'invite à faire et ton expérience et en même temps de te faire accompagner, tout simplement. Tu as le droit de demander de l'aide, tu as le droit de demander si c'est. Enfin, voilà, juste te faire accompagner là-dessus. Tout simplement. Et ose en parler parce que j'ai le. Moi j'ai un blocage à ce niveau-là. Donc c'est juste. Ouais, ose mettre des mots dessus. Et puis ça va venir, tranquillement. Te prends pas la tête, jour après jour et expérience après expérience. Mais c'est ok. Alors je vais revenir sur le chat. Tac. Hello Johanna. Kinette. Moi, pas connaître Kinette, pas savoir ce que ça veut dire. Moi, Kinect, j'ai l'expression que c'est Xbox et console, tu vois, le Kinect. Rien à voir. Ok, Chloé, c'était une question. Hello Maxime, pas trop de café. Non, je. C'est mon premier depuis ce matin, 11 h. Ça va. J'ai réussi à tenir. Hello Sabrina. Hello Greg et Valérie. Bah, du coup, Greg, je viens de te répondre. Tu regarderas en replay. Ok. Eh ben, allons sur la deuxième question. La deuxième question, Sabrina. Alors, je vais la lire. Donc Sabrina qui nous dit, je souhaite réussir dans mon projet pro, mais je sens que j'ai un blocage au niveau de l'argent. Donc on en a un petit peu, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Et en fait, pour moi, c'est pas sa vraie question. Je lui avais redemandé de reformuler. Et de me renvoyer sa vraie question. Je vais quand même te donner deux, trois infos. Pardon. Je vais quand même te donner deux, trois infos, mais il faudrait que tu me reposes. Faudrait que tu me reposes ta vraie question pour un autre live ou là d'ailleurs. Du coup, en fait, toi, ça te ferait plus plaisir d'être payé en pommes de terre, en fleurs, en. Voilà, en fait, c'est la nature de la monnaie d'échange qui bloque. Ça te dérange pas de te vendre, mais. Voilà. Mais à coup de patates et de poissons, de services, de tableaux, de. Voilà. Alors que l'argent, à la base, c'est quand même un moyen. C'est juste un moyen d'échange, c'est un moyen de simplification d'échange. Après, il est devenu ce qu'il est devenu, chacun y pense ce qu'il veut là-dedans, chacun a sa vision de l'argent, mais à la base, l'argent, c'est juste un moyen de simplification des échanges. C'est tout. Donc, au lieu d'y voir de l'argent comme le système monétaire comme il est aujourd'hui, vois ça comme. Bah comme une valeur autre que ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire, ok, quand on va te payer,
Ou quand tu es dans ce niveau-là, pense à ce qu'il y a derrière. Pense à ce que ça va te permettre, c'est-à-dire de te nourrir, de nourrir ta famille, de te faire plaisir, etc., etc. Voilà, et je ne vais pas aller plus loin. Je te laisserai refaire une vraie question. Alors, Clovis, moi je suis au gin tonic vachement plus adapté que le café à 7 heures. J'ai bu une bière tout à l'heure. Écoute, il y avait soleil. Voilà, il fait un temps dégueulasse, mais il y avait soleil tout à l'heure. J'ai bu une bière, tu vois. Moi, il n'y a pas d'heure. Hein. On s'en fout. T'aimerais bien avoir les moyens de faire plein d'échanges, toi, Maxime. Eh ben, fais, en fait. Les moyens de faire des échanges, il y en a un million. Hein. Soit dit en passant. Alors, je reviens à la question de Clovis tout à l'heure. Alors, tout récemment, je me suis enfin mis OK avec le fait de parfois passer pour un connard. C'est super cool et j'en profite pour l'instant. En mode, une fois qu'un truc est reconnu et accepté, t'as plus forcément besoin de l'exprimer, d'en faire quelque chose. Qu'est-ce que ça te raconte sur la suite? Ou un conseil pour encore plus asseoir le truc. Tu veux quoi, une validation? Tu veux que je coche une case? C'est bien, Clovis. Voilà. Je vais pas valider. En vrai, qu'est-ce que tu t'en fous? J'ai envie de te dire. Là, tu es sur un rapport parental et hiérarchique. Parce que les autres le font, c'est bien de le faire. C'est bien d'être un connard, grosso modo. Est-ce que tu es OK avec ça? Non, passer pour un connard. Excuse-moi, c'est moi qui ai mal lu. C'est pas être. Merde. La seule question à te poser dans ces moments-là, c'est est-ce que ça te fait quelque chose, toi? C'est-à-dire. Ok, bon, tu fais ton truc. Et la personne bah, va s'énerver ou va te le renvoyer dans la tronche, bref, va faire son caca nerveux de sa manière ou va te lancer des piques ou n'importe quoi. Est-ce que ça, c'est OK quand tu le reçois? Qu'est-ce que ça te fait? Parce que le fait de passer pour un connard, de toute façon, effectivement, il y a 7 milliards d'individualités, de singularités, de façons de voir les choses et compagnie. C'est sûr que tu es un connard pour une partie d'entre eux, comme je le suis pour une partie d'entre eux, comme chacun de vous d'ailleurs sur ce live, je ne vous traite pas de connard. Mais voilà. Après, c'est la façon dont toi tu reçois. La façon dont tu reçois cette information. Si ça t'énerve le retour, si ça te fait gamberger, si ça te fait tourner, si ça te. C'est ça qu'il faut aller regarder. C'est pas le. Voilà, le fait de passer pour un connard, c'est la première étape. Et Louis qui débarque et qui se prend le mot connard en arrivant. Mais en plus. Ça va te parler, Louis. C'est sûr. Donc voilà, Clovis. En fait, le fait de passer pour un connard, c'est la première étape. Si tu veux, ok, tu as accepté ça, mais maintenant, c'est vraiment ce que ça te fait. Et si ça te fait quelque chose,
Bah, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est à aller voir, tout simplement. Ça te fait kiffer. Moi, j'irai voir. Alors là, je vais faire une parenthèse, mais tout ce que je vous dis là, c'est hyper subjectif. Je ne détiens pas la vérité, c'est ma façon de récupérer les informations que je reçois. Donc, j'ai mes filtres à moi, etc. J'essaie d'en mettre le moins possible, mais de toute façon, ça passe par moi, donc il y aura forcément. Donc, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Moi, Clovis, là, je sens derrière que c'est pas du kiff, ça me, entre guillemets, ça m'atteint pas. C'est un kiff, genre tu t'en délectes. Et pour moi, c'est la face de la même pièce que quand ça te fait chier. Pour moi, ça, tu ne l'as pas réglé en fait. Tu as juste été voir de l'autre côté. C'est plus agréable, mais le problème, il n'est pas réglé. Voilà. Donc, écoute, ça, c'est ma façon de voir le truc, de le percevoir en tout cas. En fait, tu expérimentes. C'est ça. En fait, tu es en pleine expérimentation. Donc, c'est exactement ça. Tu as été très longtemps sur une face de la pièce et là, tu es en train d'expérimenter de l'autre côté. Donc, tu as ce côté bah, c'est cool, il y a changement. Donc, tu prends, ah, c'est trop bien, etc. Mais en fait, le truc est toujours là. C'est juste du coup l'autre face de la même pièce. Continue à expérimenter. Te prends pas trop la tête là-dessus, ça va être cool, ça va être moins cool, ça va. Enfin voilà. Va voir réellement, essaie de te poser avec toi. Le fait de passer pour un connard, pour moi, ça me ramène à ton père. Ok. Va voir pourquoi. Enfin, va voir du côté du fait de pardonner au connard. Crosse ça. Une fois que tu l'auras fait, en fait, leur pardonner, c'est te pardonner. Donc, prends un bout ou prends l'autre. C'est pas grave, c'est la même chose. Mais va voir ça. Là, c'est à toi d'expérimenter. C'est pas à moi de. Juste, ne crois pas que c'est réglé, grosso modo. Est-ce que c'est OK pour toi, Clovis? De l'échangisme. Non mais c'est une sorte d'échange. Hein. L'échange corporel est une sorte d'échange. Faites ce que vous voulez. Mais pas ici. Pas en live, attention. Ah, tu t'auto-valides, tu t'auto-valides. T'es quand même venu chercher une validation, mon cher. Mais ok. Pas si Louis est encore là. Bonjour. Ok. Alors, ok, nickel, ça me va bien. Allez voir, ça me pose plus de problèmes. Bien vu le papa, j'avais pas vu ça. Ouais. T'as bien avancé. On en avait un petit peu parlé. T'as bien avancé sur le côté papa.
En fait, tu as bossé sur l'affirmation. Ça, c'est OK. En fait, c'est ça. OK, ça s'éclaircit. Tu as bossé sur l'affirmation et l'affirmation est beaucoup plus OK. Tu es beaucoup plus OK avec ça, toi, en tant que personne, de t'affirmer. Mais parce que tu t'affirmes, tu crois que le problème, il est réglé. Non, tu n'as pas pardonné. Et en ne pardonnant pas, tu t'es pas pardonné. Donc en fait, tu expérimentes, mais tu es sur la même pièce. Voilà, mon cher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle, du coup, j'ai annoncé ça au début du live. En ce moment, je communique beaucoup sur ma page perso depuis 6 mois, 6 mois, 1 an, enfin 6 mois surtout. Je vais rebasculer sur ma page pro. Donc les prochains lives se feront sur ma page pro. Donc si vous voulez tout simplement être au courant des prochains lives, je vous invite à aller sur ma page pro. Et également pour tous ceux qui iront sur ma page pro, normalement dans la semaine, voire la semaine prochaine au plus tard, j'ai préparé un petit kit de base de la vissure. Qui est un kit de base en fait, un petit peu de développement personnel, de compréhension de soi, de la vie, enfin voilà, par rapport à ses blocages, par rapport à plein de choses. Donc c'est un, voilà, comme c'est dit, c'est un kit de base qui vous permettra d'avoir un, bah, vous aider à avoir un peu de clarté, quelques clés, voilà, pour commencer, pour continuer, pour voilà. Donc ça, ce sera tous ceux qui seront sur la page. Voilà. Il y aura juste un mini formulaire à remplir, nom, prénom, mail, une question toute con et c'est tout. Et je vous enverrai ça. Donc voilà. Claire, est-ce qu'il y a un thème? Bah, le thème, non. Non, 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 il n'y a pas de thème en particulier. En fait, c'est lecture des blocages de l'inconscient. Donc les personnes viennent avec leurs problématiques physiques, psychiques, de vie. Et je réponds en live. Par rapport à mes ressentis, par rapport à ce que moi je capte comme information et je vous mets ça en clarté. Si je peux vous aider à commencer à bouger les choses en vous, je le fais. Mais c'est surtout voilà, des clés, de la mise en clarté, etc. pour que vous puissiez continuer à avancer. Hello Estelle, t'as une question pour ta fille? Ok. Est-ce que ta fille est d'accord sur ça, sur le principe? Ça, c'est un truc où. Normalement, je ne réponds qu'aux questions qui sont personnelles, tout simplement parce que si on me demande une question pour quelqu'un, enfin voilà, et qu'il n'y a pas validation, qu'il n'y a pas accord, j'aime pas trop aller fouiller. Mais je vais quand même lire ta question. Alors, elle tousse beaucoup depuis quelques jours. J'ai vraiment l'impression que c'est psychosomatique, car ça va, ça vient. Aussi avec beaucoup. Alors attends. Posons que c'est psychosomatique car ça va et vient aussi beaucoup avec ses émotions. Du coup, je sais plus trop si c'est maladie ou psychosomatique. Peux-tu m'éclairer? Ok. C'est psychosomatique. En fait, c'est les deux. Ok. C'est maladie parce que pour moi, c'est en partie dû à ce qui vole dans l'air en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de vent, etc., qu'on levait pas mal de poussière, de pollen et compagnie. Et je pense que ta fille est relativement sensible à ça. Après, pourquoi elle y est sensible? Pour moi, il y a de la. C'est quoi la psychose? Ok. Elle a quel âge ta fille? 4 ans. Donc elle est à la maternelle. La maternelle. Ok. Elle a pas envie. Pour moi, elle a pas envie d'aller à l'école. Est-ce que tu confirmes ça? Elle a pas envie d'y retourner.
Ouais. En fait, elle est un peu en... J'allais dire en... En oui non, oui non. Il y a un peu un combat chez elle. Elle a envie de sortir, mais elle a peur de sortir. Pour moi, il y a une peur de fond là-dedans. Une espèce de psychose. Comme si l'air était dangereux, en fait. Donc là, ça va être de la pédagogie. Et là, ça va être toi, ton travail en tant que maman, de faire de la pédagogie comme bah, juste du fait que non, l'air n'est pas dangereux, non, les autres ne sont pas dangereux, etc. Ce qui se passe avec le Covid, c'est un virus, comme il peut y en avoir plein, comme elle en aura dans sa vie. Et voilà. Donc c'est simplement faire attention, mais plus elle en aura peur, plus elle va être sensible. Donc c'est aller lui montrer bah que dehors c'est pas dangereux. Pas plus que chez toi, pas plus que... Voilà. Ouais, c'est de la pédagogie, le fait de la rassurer. Et toi, d'accepter ses émotions et ses sautes d'humeur. Parce que c'est juste des émotions. Et il y a des fois, tu sais pas quoi en faire. Donc c'est... Voilà, elle est normale. Tu es normal. Oui, Clovis. Il y a une peur de ne pas savoir gérer en fait. Et toi aussi, effectivement, Estelle, c'était induit, hein. Je pense que tu l'as senti, mais que toi aussi, tu es dans cette... un peu dans cette peur-là. N'est réel que ce que là où on y met de l'intention et de l'attention. Alors, je grossis exprès. Mais c'est ça. C'est-à-dire que plus tu mettras de l'attention sur ta peur, bah, plus elle deviendra importante. C'est comme, je vais te donner une image de la petite peluche qu'on a sous son lit. Ouais, mais alors, je viens de te lire, Estelle, je te réponds après. Donc la petite peluche qu'on a sous son lit, où quand on éteint la lumière, on a l'impression qu'en fait, je sais pas, elle va se transformer, que c'est un gros monstre et qu'il ne faut pas qu'on regarde sous le lit, sinon on va se faire bouffer, tu vois. Quand tu rallumes la lumière, c'est juste une petite peluche. Voilà. Ta fille, en fait, les enfants ont tendance à comment dire, à faire fois mille. Ils connaissent assez peu les nuances, surtout à 4 ans. À 4 ans, ils connaissent peu les nuances. Donc, un truc, toi, en fait, je vais te donner un exemple. J'ai l'impression que tu lui dis que c'est pas grave. Tiens, tu lui dis que c'est pas grave. Tu lui répètes assez. Et en même temps, vous en parlez beaucoup. Et elle, le fait d'en parler beaucoup, et eh ben, elle sent que c'est pas OK. Je dois avoir un schéma quelque part. Bon, c'est pas grave. Non, de toute façon, il va être à l'envers si je le montre. C'est comme quand tu dis je veux du chocolat ou je veux pas de chocolat. Ta partie consciente fait bien la distinction entre je veux et je ne veux pas. C'est assez clair. Par contre, lui, ton inconscient, si tu répètes je veux pas de chocolat, je veux pas de chocolat, je veux pas de chocolat, ben, il voit un carré de chocolat, il veut du chocolat, quoi.
Et c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en parler, même en disant c'est pas grave, ne t'inquiète pas, etc., etc., en fait, tu le prends pas par le bon bout. Et elle, du coup, elle prend ça et c'est son inconscient fait, entre guillemets, fait une plus grosse boule que ce que ça n'est. Allez. Du coup, voilà. Donc, j'en reviens à ce que je te dis au début, c'est de la pédagogie, le fait de la. Juste de lui montrer, en fait, d'arrêter d'en parler et juste, voilà, d'y aller. Et si elle a des questions, là, tu y réponds. Mais va pas aborder le truc. Si elle est pas bien, tu fais juste un câlin, tu lui montres, ok, je suis avec toi, je suis là, tu vois, présence. Donc, pédagogie, comme ça. Moi, je vois bien ça. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est OK pour toi, Estelle? Poil de chat. En train de dormir dans son hamac, il est bien. Quelle heure est-il? 18h40. OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai. Je peux répondre encore à une ou deux questions selon. N'hésitez pas. Je pense que ce petit rendez-vous, je le ferai de façon hebdo à partir de la semaine prochaine et je ferai des formats peut-être un peu plus courts, peut-être 45 minutes. On verra. Selon ce qui se passe, ça dure une demi-heure, ça dure une demi-heure, ça dure une heure, ça dure une heure. Mais voilà, et je le rappelle une nouvelle fois, à partir du coup du prochain live, je ferai le direct sur ma page pro, donc n'hésitez pas à rejoindre ma page pro pour être au courant des lives, publications et compagnie. Et très prochainement, vous aurez le droit gratuitement à un petit kit de base de vie sûre. Survie de vie sûre. Merci de tous ces conseils. En fait, il faut que ça te parle, Estelle. Le truc, c'est que là, c'est comme si tu me donnais le pouvoir. J'ai aucun pouvoir, hein. Là, c'est toi. Si ça te parle et si tu as envie de le faire, prends le truc et fais-le. Mais ça t'appartient. Moi, je donne juste des informations. Greg, pourquoi je ne me donne pas le droit à l'erreur? T'as peur de te faire engueuler par grand Dieu. Voilà. Sauf qu'on est tous, hein, en vrai. En vrai, on est tous Dieu, puisqu'on est tous créateurs de notre monde. Hein. Ça revient au début de ce que je disais du live. Faut que tu fasses tes expériences. T'as peur que ça te pète à la gueule. T'as peur de devenir fou, t'as peur que ça te pète à la gueule, t'as peur que.
qu'est-ce qui pourrait bien t'arriver réellement, concrètement? Si on se regarde dans les yeux là, Greg. T'as peur de te cramer les poils, toi qui es grizzly. T'as peur de finir comme moi, à faire des lives sur Facebook et à aller voir l'inconscient des gens et voir des choses bizarres. Enfin, je l'assume à celui-là. Je parle à mon chat, je parle à mes plantes, tout va bien. Ta réponse, de toute façon, c'est lié à ce que je t'ai dit à ta première question dans le live. Donc, je t'invite à regarder une fois que ce sera terminé. Eh bien, nous allons approcher tranquillement de la fin de ce live. Si vous avez des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas, que ce soit psychique, maladie, une situation de vie, quelque chose qui vous préoccupe, qui vous bloque, ou vous vous sentez. En attendant, je vous rappelle, moi, je suis un accompagnement de vie, un coach. Je suis clairvoyant et énergéticien. Je fais les lectures de l'inconscient, je sens une énergie, enfin voilà, tout ça, tout ça. Et ce sont des outils en fait que je mets à votre disposition, bah justement pour aller débloquer des choses qui sont coincées, pour aller voir dans votre singularité qui vous êtes et vous aider à avancer. J'ai pas de pouvoir sur vous, je ne peux que vous aider et vous mettre en clarté certaines choses. Donc c'est exactement ce que je fais, que ce soit sur des rendez-vous uniques ou sur de l'accompagnement à plus long terme. Et voilà, donc quand je fais des rendez-vous par exemple sur des problèmes physiques, je vais aller voir en fait les raisons sous-jacentes, pourquoi vous somatisez, pourquoi votre corps parle de cette façon et qu'est-ce qui se cache en dessous. De cette façon-là, en fait vous avez tout pouvoir pour aller résoudre le problème qui est sous-jacent à votre maladie, à votre problème physique, etc. Voilà. Vous pouvez venir me voir, me poser vos questions, téléphone, Facebook, Instagram, YouTube, il y a plein, 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 plein de choses. Voilà. Je vous invite à fouiller. Il y a déjà pas mal d'articles, de vidéos, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je vous rappelle que ce live sera à partir de la semaine prochaine hebdo et sur ma page pro. Et écoutez, j'attends encore 30 secondes, une minute. Et sinon, eh ben on va s'approcher des au revoir pour cette semaine. Ah oui, il y aura sûrement aussi des duos. Là, je suis en train de voir pour organiser ça. Je peux pas vous dire qui, je peux pas vous dire quand. Mais c'est en train de s'organiser. J'arrive à la fin de mon café, donc je crois que ça sonne le glas de ce live pour cette semaine. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. Profitez bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions par mail, par message, ou vous connectez la prochaine fois directement en live pour poser votre question. Ce sera lundi soir prochain, je pense que voilà, ce sera de toute façon de façon hebdo. À 18h, je garde le même horaire pour le moment. Et sur ce, je vous dis bonne soirée. Bye les inspirants.